Mais dépêchez-vous, Peppa Pink. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Mais dépêche-toi, le train part dans 15 minutes là. On est déjà en retard. Oui, mais c'est vrai. Pas comment on va faire. Attends, mes affaires. Bah oui, prends ta valise. Bon, salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là, je vais aller chercher Lily Rose en urgence parce que, en fait, on doit partir en vacances dans un endroit très spécial qu'on veut vous présenter depuis pas mal de temps. Et on est ultra en retard là, on doit se lever le matin extrêmement tôt. Lily Rose? Lily Rose? Mais elle est pas dans sa chambre. Lily Rose? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis pas là. Mais non, mais c'est... Mais c'est pas Lily Rose ça, mais c'est le cousin. Mais c'est notre cousin. Mais qu'est-ce que tu fais là? Alors pour ceux qui le connaissent pas, c'est notre cousin vraiment très relou, qui arrête pas de nous embêter. Et comme les autres, la sorcière, etc., il rentre chez nous sans nous prévenir. Non, viens. Quoi? Tu as vu Lily Rose ou pas? Je m'en fiche. Je connais pas Lily Rose. Tu peux rester. Si tu connais Lily Rose. Je m'en fiche que tu sois là, mais dis-moi où elle est parce qu'on a vraiment un train à prendre. Peppa Pink, viens. C'est bon, t'as pas vu mon pull? Non, ton pull, mais viens. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu caches derrière ton... Rien. Qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce qui se passe? Oh, il est là, lui. Bah oui, oui. Il est à la place de Lily Rose. Le cousin. Je cherchais Lily Rose dans sa chambre et à la place... Allez, montre ce que t'as dans ton dos. Il y a quoi? Vas-y. Bah, un portable, montre. Hop là. Ouais, c'est quoi ça? C'est ça. Bah, c'est ton téléphone. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu regardes? C'est un plan? Ah mais c'est la carte du parc d'attractions là, bah, Belward. Ah ouais, c'est le parc d'attractions qui a... C'est le parc d'attractions qui a une heure de chez nous. Non, c'est pas Belward, c'est pas... Mais si, ça se voit, regarde, c'est noté là. Non mais tu te moques de nous? Elle est pas là-bas en plus. Elle est pas là? Non, elle est pas là-bas. C'est sûr, il ment. Il a aidé Lily Rose à aller toute seule à Belward avec ses amis. Et en plus on doit... Mais c'est une blague là, on doit prendre le train. Mais là c'est fini, si elle est là-bas... Non, faut aller chercher Lily Rose. Non mais t'as gâché nos vacances. Mais non, elle est pas là-bas, ça sert à rien. Les amis, on se retrouve immédiatement. Je vais aller chercher Lily Rose à Belward. D'ailleurs tu vas venir parce que je pense que t'as un rapport avec cette histoire. Habille-toi, enlève ses lunettes ridicules. Et on y va. Allez, bah toi, reste ici. Et tu vas voir si on peut changer les billets de train, ok? Ah bah oui, c'est bon. Allez, on y va. Bon, les amis, on se retrouve tout de suite. On va au parc d'attractions. Moi, je suis déjà habillé. On y va, let's go. Voilà les amis, je suis avec notre cousin. Bon, il veut toujours pas me dire ce qu'il faisait chez nous sans nous prévenir comme ça. Et en plus, dans le lit de Lily Rose, il a pris sa chambre et comme par hasard, Lily Rose a disparu. Mais bon, là, on est en plein dans le parc. On a déjà un peu avancé. La journée est déjà pas mal commencée. Là-bas, il y a un carrousel, tout ça. J'ai pas filmé quand on est rentré dans le parc parce que je voulais vérifier, chercher Lily Rose d'abord. Mais là, du coup, au moins, on est deux. Il va m'aider à chercher. Et j'espère qu'on va la retrouver extrêmement rapidement parce que, comme je vous ai dit, on a beaucoup de choses à faire. Donc là, on va d'abord fouiller les manèges qui sont les moins à sensation. Parce que parfois, Lily Rose, elle a peur des manèges en fait. Donc là, c'est des tasses, normalement, ça devrait aller. Et on va faire tout le parc comme ça, mais le problème, c'est que le parc est assez grand. Donc je sais pas si je vais réussir. Bon, voilà, le cousin m'a dit quelque chose. Ouais, bah là, il y a des manèges sympas où elle pourrait être cachée. Enfin, je suis sûr, Lily Rose, elle m'a déjà parlé de ce manège qui est là-bas. C'est des espèces de pinces qui t'envoient en l'air comme ça. Sauf que j'ai l'impression d'un truc, parce que bon, je vous filme pas tout, loin de là. Mais j'ai l'impression d'un truc, c'est qu'il fait tout pour pas qu'on trouve Lily Rose. Et à chaque fois, il s'enfuit le plus possible. Regardez, là, il part dans l'air de jeu. Et dès qu'on essaie de trouver Lily Rose, dès que je l'emmène dans une nouvelle zone, il s'enfuit. Non, mais il essaie de se cacher. Ok, bon, je vais essayer de l'abandonner, je vais pas continuer à chercher avec lui parce qu'à mon avis, il va pas m'aider du tout. Il fait tout pour que je rate au maximum, donc je vais essayer de le chercher. Mais en tout cas, j'espère qu'il est pas dans le coup parce que c'était quand même très très bizarre de le trouver là où je l'ai trouvé ce matin. À mon avis, il a fait un plan avec Lily Rose pour qu'elle s'enfuit de la maison pour aller avec ses copines dans un parc d'attractions. Et lui, pendant ce temps-là, il est tranquille chez nous en train de me piéger, de me ralentir pour pas que je la retrouve. Enfin bref. Là, il doit être encore là-bas d'ailleurs. Bon, allez, je vais pas traîner parce que là, le temps compte beaucoup là. La moindre minute, c'est une minute où Lily Rose peut se cacher, peut savoir que je suis déjà arrivé au parc et partir quoi. Allez, on se retrouve tout de suite. Ok, les amis, j'ai tout manigancé avec Lily Rose là pour qu'elle puisse être tranquille au parc. Je l'ai emmené dans une mauvaise direction pour qu'il la cherche et jamais il va la trouver grâce à ça. Donc, c'est bon, normalement, elle est tranquille. Bon, regardez, les amis, ce que j'ai trouvé. Il y a des poissons affamés, il y a des gens qui viennent de leur donner des miettes là, des miettes de pain. Regardez comment ils ouvrent la bouche,
c'est n'importe quoi. Enfin bref, faut pas que je sois distrait. Parce que là je suis vraiment arrivé au fond du parc, au fond du fond. Je cherche toujours Lily Rose et je sais que il est passé par là, que Valentin est passé par là, notre cousin, enfin notre fameux cousin. Je sais pas si on peut dire que c'est notre cousin parce qu'après tous les ennuis qu'il nous apporte, je sais pas s'il est très sympa. Et je sais qu'il est passé par là parce que je l'ai vu au loin et j'ai l'impression qu'il manigance quelque chose avec Lily Rose pour qu'elle soit tranquille. Enfin ça c'est mon intuition, j'en suis pas sûr, mais à chaque fois qu'il vient c'est pour faire des embrouilles chez nous, donc il y a de grandes chances quand même que ça soit ça. Donc là ma priorité ça va être de chercher notre cousin. Et je pense qu'une fois qu'on l'aura trouvé, il va m'emmener à Lily Rose. Enfin, je vais le suivre, il va m'emmener à Lily Rose, vous allez voir ça. Salut les amis, j'essaie de retrouver Lily Rose pour lui dire que normalement c'est bon, elle est tranquille. Je pense avoir semé Esteban, j'espère juste qu'il me suit pas, parce que sinon elle sera pas tranquille, elle pourra pas s'amuser avec ses amis comme elle veut. Parce que gars, vraiment Esteban, il veut tout le temps la suivre et elle peut pas faire ce qu'elle veut, gars. Donc je vous rappelle après, je pense, et je vous donnerai des nouvelles. Et c'est bon, les amis, j'ai réussi à suivre le cousin jusqu'à un certain point. Je l'ai semé là-bas. J'ai pas réussi à. Enfin, il m'a semé là-bas. J'ai pas réussi à le suivre. Donc là, je crois que je suis dans une zone qui est un peu fermée. Donc, à mon avis, c'est une sorte de passage sans fin, quoi, un cul-de-sac. Donc, à mon avis, s'il est là-bas, c'est qu'il doit être un peu bloqué. Et de toute façon, il doit tout faire pour pas me croiser, hein, c'est sûr. Donc, je vais fouiller un peu cette zone. Là, regardez. Waouh, ça m'a fait peur, ça c'est sûr que... Oh, il est là. Valentin. Ouais, salut. Non mais fais pas semblant de rien là, je pense savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Bah je pense que tu fais exprès pour que je trouve pas Lily Rose, tu m'as donné des mauvaises indications, tu m'as dit d'aller dans des mauvais endroits et tout. Non mais Lily Rose elle est là-bas, je te l'avais dit. Non Lily Rose elle est pas là-bas, là-bas il y a que... Oh là 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 là. Regardez. Ici, non, il y a que des attractions à sensations ici. Bah, il y a que des trucs à sensations, elle est pas ici. C'est sûr qu'elle est pas ici. Si, elle était au chaud. Les amis, alors tu vas rester à côté de moi parce qu'à mon avis, Lily Rose te cherche aussi, comme c'est toi qui l'as certainement aidé à venir ici avec ses amis. Comme c'est comme ça, bah tu vas rester avec moi. Et si on la voit, et si on la trouve pas, ça sera de ta faute. Et si on la voit, à mon avis, elle va être attirée par toi et elle va pas forcément me voir et je vais réussir à l'attraper là, parce qu'il faut qu'on rentre rapidement, on a plein de choses à faire. Allez, donc là c'est parti les amis, j'espère que Valentin va réussir à appâter Lily Rose d'une manière ou d'une autre, parce que sinon c'est vraiment galère pour ce qu'on a prévu de faire. Les amis, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus personne dans le parc, regardez, les manèges ne fonctionnent plus, là c'est en train de fermer, on doit se diriger vers la sortie, c'est obligé. Avec Valentin, le cousin relou que vous connaissez maintenant, on a cherché, et malgré le fait qu'il cherche avec moi, on l'a toujours pas trouvé. On a toujours pas trouvé Lily Rose, elle a toujours pas appelé Valentin, elle a toujours pas vu, donc je désespère. J'espère juste qu'elle n'est pas déjà partie dans le parc, parce que là on continue à fouiller en partant, mais là je pense que c'est de plus en plus foutu pour la trouver un jour. À mon avis elle va rentrer ou elle a quelqu'un... Qu'est-ce que tu fais? Rien. Ok, il fait des trucs bizarres depuis tout à l'heure, il envoie des messages bizarres. Donc ça tombe, il envoie des trucs à Lily Rose là. Regardez bien son comportement, il est extrêmement bizarre. Et là, bon voilà, il reste quelques personnes, mais vraiment... À mon avis, Lily Rose est partie. Ce que je vais faire, c'est que je vais fouiller un peu dans le parking pour voir si elle attend pas une voiture, parce que je sais qu'il y a plusieurs de ses amis qui ont... Enfin, c'est pas les amis qui conduisent, mais c'est les parents des amis qui conduisent, je connais leur voiture, donc à mon avis, on va savoir les repérer. Enfin, je vais savoir les repérer parce que lui va pas trop m'aider. Allez, c'est parti, on se dirige vers le parking. Regardez, il est en train de danser. Il est en train de danser parce qu'il est content que j'ai pas trouvé Lily Rose. Franchement, c'est désespérant, surtout que là, il y a plus personne dans le... Lily Rose ? Non mais t'es sérieuse, y'a plus personne. Non mais non. Et là c'est même pas à cause de lui que je t'ai trouvé. On te trouve par hasard, mais y'a plus personne dans le parc. Je voulais dormir ici cette nuit. Bah ouais, là ça avait l'air trop bien et tout, y'a de l'eau et tout. Non mais tu voulais te cacher dans le parc cette nuit comme ça. Non mais elle, c'est la fermeture, elle se cache derrière une poubelle. Tu pensais que personne allait te trouver? Bah non, je sais pas moi. J'avais envie de dormir avec les flamants roses là-bas. En tout cas c'est bien, c'est pas lui qui t'a dénoncé. Il a rien dit toute la journée, il a fait le nuée. Bah merci. Bon, là il y a Peppa Pink, c'est foutu, il veut pas te réparer tes bêtises, donc il veut pas venir te chercher. Ah et ouais. Du coup on va devoir rentrer à la maison à pied. À pied? Y a au moins, mais c'est loin? Il y a au moins 100 km là. J'aurais... C'est catastrophique. Et toi, non mais tu aurais pas pu me dire plus tôt qu'elle était dans le parc et où elle était?
ne veut plus parler, ben, c'est fini. Bon bah les amis, franchement, restez sur la vidéo parce qu'à mon avis c'est pas fini. On va voir la réaction de nos parents à ça. Et surtout, on a 100 km à faire à pied. Et c'est la nuit, donc à mon avis on va avoir pas mal de choses incroyables. Allez, à tout de suite. Liros, tu fais plus ça. Bon c'est bon, il s'est remis en tenue comme ce matin. Oh, dans son pyjama étrange là. Finalement on a retrouvé Lily Rose. Ah. Elle a tellement honte qu'elle s'est cachée dans les toilettes. Franchement, bon, t'as réussi à changer les toilettes. Alors ça va, j'ai tout réussi à changer les toilettes. Sinon c'est toi qui les aurais payées. Ouais, d'ailleurs tu vas rentrer chez toi, je vais dire à ton père, je vais appeler ton père, hein, et hop, tu vas tout de suite rentrer. Non, tu nous as même pas prévenu. Non, s'il vous plaît. Bon bah les amis, nous on a dû marcher un peu, heureusement il y a Mama Pink qui nous a accompagnés jusqu'à la maison. On a marché qu'un kilomètre tout seul, donc ça va. En attendant, j'espère que ça va pas se reproduire à cause du cousin relou. Je pense que vous allez le voir dans pas mal de prochaines vidéos parce que il est vraiment très relou et très présent en ce moment. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne. Allez, si vous êtes un nouvel abonné, activez la cloche. Même si vous êtes un ancien abonné, vérifiez que la cloche soit bien activée. Et cliquez sur la vidéo qui apparaît juste là, ça nous ferait extrêmement plaisir. À la prochaine, ciao. Bye bye. Au fait. Tu connais la chaîne de la sorcière? Ah oui, c'est vrai, la sorcière de Pink Lily, pour tous les intéressés.